C'était qui celui-là? Il n'avait pas l'air heureux. Quelle souffrance! Je n'avais aucune prise sur lui. Comme le rêveur sur la montagne! Mais t'as vu que l'un de nous a préféré n'en faire qu'à sa tête. Ce n'est pas moi, maître, je vous le jure! Je me suis bien gardée d'empêcher le rêveur de graver vers la lumière. C'était dur, oh là là, c'était dur! Je sais, ma sœur. La peur est plus fidèle à la nuit qu'à l'insatisfaction, n'est-ce pas? C'est lui le traître! Ne soyez pas trop dur avec lui. N'avons-nous pas besoin d'insatisfaction pour alimenter le désir? Car sans désir, pas de rêve. Et sans rêve, autant mourir. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Gardons le cap. Puisque nous ne sommes plus ensemble, autant nous séparer. Continuez, chacune à votre manière, d'amener notre rêveur vers la lumière de la lucidité. Qu'il rêve, mais faites-lui savoir qu'il rêve. Allez, dispersion! Les rêveurs ont encore l'esprit tout ébloui de l'éclat de la vérité. À présent, pour distinguer cette région supérieure de son esprit, il va avoir besoin de mon arme secrète. J'ai nommé l'habitude.